se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est quoi le calendrier de l'Avent, jour 9. Avant, vous avez vu, comme d'habitude, le nom de la gagnante ou du gagnant. Oh, excusez-moi. Oh, je croyais que j'allais éternuer. Donc, si c'est toi qui as gagné, prends vite contact avec moi. Tu n'as que 3 ou 4 jours pour prendre contact avec moi. Par email, mon email est en barre d'infos, par mon Facebook si tu le connais, tu me mets ton pseudo YouTube, ton nom, ton prénom, ton adresse, ton mondial relais, ton email, puis voilà. Donc prends vite contact avec moi. Aujourd'hui, alors mince, j'ai oublié le nom de la boutique, je vous le marque. Pardon. J'ai oublié, la boutique, une des boutiques partenaires a accepté de me donner un lot pour vous. Voilà. Alors, je ne l'ai même pas encore déballé, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, je vais le déballer avec vous rapidement. Voilà. Alors, c'est de la boutique, de la marque Spring. Alors, on va voir ce que c'est. Ça m'a l'air bien sympa. Donc, vous avez déjà une petite notice, hein, comme d'habitude. Ah, ça va être rigolo à faire. Alors attendez. Alors, vous avez un premier tissu comme ça, avec le motif imprimé. Voilà. Vous avez un petit molleton. Vous avez... Je ne vais pas tous, je vais pas les déballer, mais les fils... Voilà, avec des jolies couleurs. Vous avez une notice, j'allais dire, il n'y a pas de notice, on ne sait pas comment on fait. Si. Donc, vous avez une notice, alors, écrit tout en chinois. Mais vous prenez... comment ça s'appelle? Google Translate, je crois. Avec votre téléphone, vous vous mettez devant. Et ça va vous traduire tout ce qu'il y a dessus. Voilà. Donc, là, vous avez du coup des explications, mais en chinois. Et là, vous avez comment faire les points. Parce que ce n'est pas du point de croix. Mais ça peut être amusant à apprendre, à faire. Voilà. D'accord. Ok. Ouais, non, c'est rien de compliqué. Hein. Vraiment rien de compliqué. Et puis, de toute façon, vous voyez sur l'image comment c'est fait. Là, c'est un peu du point lancé. Là, ça va être un point bouclette que vous allez couper après pour faire les franges. Voilà, donc, le point bouclette est expliqué ici en bas. Voilà. Et ensuite, vous avez... je ne vais pas le déballer parce qu'il y a des petites clochettes. Alors, hop. Vous voyez, là, vous avez des petites clochettes. Vous avez de la mousse, enfin du bourrage, voilà. Vous avez un pompon. Ah, il y a quoi, ça? Ça, je ne sais pas ce que c'est. On dirait de la lavande. Du coup, ça se met où, ça? Ah, ça se met dedans directement, sûrement. Ah ben, vous avez aussi un QR code. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. Voilà. Allez. D'accord. Ouais. Alors, vous avez des aiguilles sur un pompon. Là, vous voyez. Alors, je ne sais pas si vous avez... Là, voilà. Il y a un petit sachet avec, je pense que c'est de la lavande. Et vous avez le pompon, vous avez une cordelette. Voilà. Donc, vous avez de quoi vous amuser. Bon, la lavande, vous n'êtes peut-être pas obligé de la mettre dedans, hein, mais c'est sûrement pour que ça sent bon. Voilà. Donc, voilà ce que vous avez à gagner aujourd'hui.
un peu spéciale, comme l'eau peut-être. Mais il y a de quoi, faire pour s'amuser. Voilà, apprendre de nouvelles techniques. Alors, attendez, j'essaye de remettre tout ça. Bon, je vais le ranger après. Ne vous inquiétez pas, je vais bien le remettre après. Donc, voilà, le lot à gagner aujourd'hui. Un petit DIY à faire. Il doit être bien amusant à faire. Il n'est pas très grand, hein, vous avez vu. Hein, ça fait quoi, 10 cm. Donc, c'est le truc qui va être rapide à faire. Voilà. Les petites clochettes. Oui, les petites clochettes se mettent là. Vous voyez, il y en a une là, il y en a une là. Voilà. Vous avez le petit museau à broder. Voilà. Non, ça peut être très amusant à faire. Donc voilà, bah écoutez, moi je remercie beaucoup la boutique. Voilà, j'ai oublié son nom, je suis désolée d'avoir accepté de participer au calendrier de l'Avent. Et soyez nombreux et nombreuses à participer. Vous ne me marquez pas, je participe. Il n'y a pas de mot magique à mettre dans votre commentaire. Par contre, un bonjour et un bisou, comme je dis à chaque fois, ça fait toujours plaisir. Par contre, si vous n'êtes pas intéressé par ce lot, marquez-moi dans votre commentaire, je passe mon tour aujourd'hui ou je ne suis pas intéressé. Voilà. Comme ça, si jamais votre nom est tiré au sort, si je vois que vous ne le voulez pas, j'annule votre tirage au sort et j'en refais un autre. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. On va bientôt arriver au week-end. Ne vous inquiétez pas, le week-end, il y en a aussi. Et moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain 8h pour le nom du gagnant de cette fois-ci et pour connaître le nouveau lot. Allez, je vous fais plein de bisous. À bientôt, bisous bisous.